Alors nous voici au trou numéro 6. Alors celui-ci a un nom, il s'appelle les terrasses 1 par 5. Donc pour nous ça va être 454 mètres. Il dépote. Tout en longueur avec un plateau en montée. Il est plutôt sympa à jouer. Les départs se trouvent là, c'est joli. Tu prends la main parce que je lui ai donné la main, moi je suis comme ça. Allez, je vous emmène. Je vous emmène regarder ce que ça donne. Nous voici sur le fameux trou numéro 6. Jean-Mi qui se prépare à jouer. Le Savoyard se prépare à jouer. Entremont, c'est autrement bon. Publicité dissimulée. Bon, qu'elle est belle celle-ci. Elle passe le bunker. Ça roule pas beaucoup parce que c'est mou. On est en hiver. Donc le green se trouve tout au fond là-bas. Un par 5, donc il joue en terreux en 5 coups. Et pour notre index, donc aux alentours de 30 tous les deux, nous avons 2 coups rendus, 2 coups de plus. Je vais essayer de m'aligner sur la gauche du trou. Alors, c'est à gauche, c'est mal touché, c'est gratouillé. Ouais, elle est redescendue. Bon, c'est en jeu, hein, gauche. C'est pas la plus belle balle. Johan, tu m'excuseras. Johan, c'est le pro qui m'a donné un cours hier. Alors, grâce à lui, je suis heureux. J'arrive à faire du draw maintenant. Draw, je referai une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est. C'est une trajectoire de balle. Pour les non-golfeurs, les golfeurs le savent. Un bois, 5, je vais m'aligner sur le green, le bunker qui se trouve là-bas. Et le but, ça va être de se remettre sur le fairway quand même. Allez, brossage de balle. C'est bon. Elle est bien dans l'alignement de mon bunker. C'est ce que je voulais faire. À l'opposé, là-bas. Ouais, belle balle, Jean-Mi. Il va rester sur la droite là-bas. Alors, on a le vent de face. Alors, ce trou est particulier parce qu'en fait, il y a le plateau qui se trouve tout là-bas. Mon acolyte de la journée. Météo resplendissante. Jean-Mi, parlons stratégie. Un par 5, sauf que ce serait présomptueux de le jouer en 5 d'ici. Déjà, est-ce que tu as une idée de la distance? Non, mais ça te donne une info. À combien se trouve le bunker qui est devant là? Ça te donne une indication, hein. Et à combien se trouve le plateau? Je dis ça, c'est pour que tu regardes. Tu vois, si on réfléchit un chouï stratégie, c'est pas se mettre dans la merde, c'est pas pour l'attaquer. C'est quoi 182? Le drapeau. T'as combien pour le bunker devant et le petit qui est devant, il a combien? Tu vas te placer entre les deux bunkers? Ouais. Oui, enfin quand je dis entre les deux bunkers sur la fin du fairway en bas. Ce qui est le plus judicieux. Allez, vas-y. Tout l'art de réfléchir en fait. Ouais, mais de décider ce que tu veux faire, ça permet de visualiser. Là, t'as les pieds qui vont être au-dessus de la balle. Belle. Et tu vois, c'est ce que... Alors, il était bien et c'est vrai que là, t'es un peu plus sur la droite, mais comme c'est gras, elle est restée, la balle. Eh bien, écoute, bien joué pour le troisième. Tu seras dans une belle position. Je suis là. Là, j'ai presque
presque envie, pas de viser le bunker, mais de mettre le plateau qui est tout en haut là. Déjà, fairway. 161 bunker. 150 le plateau. Ok, alors je vais le prendre, mais je vais m'aligner sur le chemin rouge là. Sur le boulot qui est là-bas. Le but étant qu'elle prenne le rebond et avec un peu de bol, que j'irai. C'est osé hein, ce que je fais. Voilà. Ouais, mais je l'ai fait volontairement. Parce que tu vois, regarde. Est-ce qu'elle est. Ah non, elle est restée sur le chemin. Ah mince, ah, ok, il manquait de la longueur. J'ai voulu la jouer super malin. Je vais vous expliquer ça. C'est qu'en gros, si on prend le chemin qui se trouve là-haut, les balles redescendent. Comme ça. Alors j'ai manqué de distance pour qu'elle m'emmène plus loin. J'aurais pu la vu qu'on est en hiver, j'aurais pu me mettre sur le plateau. Ça aurait peut-être été plus malin. Mais bon, c'est jouer, c'est jouer. Hein. Jouer, c'est jouer, reprendre, c'est voler. Hein. Hashtag novembre des proverbes. Alors, revenons au jeu. Nous avons joué tous les deux trois coups. Jean-Mi se trouve en bas du plateau. Voilà. Pour le quatrième coup, il va pouvoir attaquer le green. Moi, j'ai tenté de monter, mais je suis resté bloqué dans le chemin. Donc, je peux dropper gratos. Sans m'avancer. Je ne peux pas aller par là. Je peux reculer. Vous connaissez la règle entre les chemins, les pieds, la zone commentaire. Je vous invite à l'expliquer, il faut même l'expliquer. J'ai toujours un gros doute. Bref, je vais la reculer. Allez, on va se la jouer comme ça. Alors, bien entendu, je suis en partie amicale avec mon ami Jean-Mout, Jean-Mi. Je serai en compète, ce ne serait pas la même. De temps à déterminer la règle, à savoir ce qu'il y a à faire, mais là c'est pas le cas. Allez, donc, je vais la dropper. Ok, pas terrible, terrible. Comment je vais jouer ça? Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même la pousser. Oh putain, c'est mal joué. Qui est monté jusque là. Allez, on place nous ça. Ah, pas mal. Alors. Ah, je suis allé me fourrer là. Pas évident. Vite en difficulté hein. Ah, je suis passé en dessous donc 1 2 3 4 5 bien. Alors deux putts. Déjà ça c'est bon. Ah, c'était la longueur. Allez, donnez moi, je dis donnez. Si tu veux la mettre pour le bruit. Voilà, très bien. Et bah cool. Allez, non, jambon. C'était le trou numéro 5 du golfe d'Ablège. Donc bah un plaisir. Non, attends, je dis ça. Trou numéro 6, c'était le trou numéro 6 du golfe d'Ablège, le par 5.
vous laisse apprécier le décor. Trou numéro 6 d'Adler.